Think about that anointing. God bless you. Can't leave.
teach you how to lead. He'll teach you how to talk in Jesus' name. In Jesus' name. God, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, you appreciate that special this morning. It's the anointing. The anointing. Once you taste it of it, you gotta have it. Hallelujah. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. I feel today the Lord is doing a mighty work in here. Hallelujah. Thine the glory. Hallelujah, amen. There's some been looking for new strength. Some looking be delivered. Old Satan's had you blocked in, but this morning, the anointing is here. And he's going to get the glory. And he's going to revive your soul this morning. Do you believe it this morning? And sing it with all of your heart. Revive us, Lord. Revive it, Lord. That word that's inside. Oh, hallelujah. Oh, thou the glory, sing it with all your heart now. Hallelujah, amen. And you know you need a touch, thou the glory, revive us. Oh, you're gonna leave here with the anointing. Hallelujah. Oh, thou the glory, bless his wonderful name. Hallelujah. Hallelujah, kind of glory, hallelujah, amen, hallelujah, kind of glory, revive us again, oh, hallelujah, kind of glory. Glory, revive us again. And all God's people say, et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Père, nous te louons, nous te remercions ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. Et Seigneur, montre-nous ta gloire. Gloire à Dieu. Montre-nous ta gloire ce matin, Seigneur. Que l'onction vienne sur les gens. Qu'elle vienne sur moi pour parler ce matin, Seigneur Dieu. Merci, Père Céleste. Père, nous te remercions pour notre sœur Farrah Tanis qui a chanté ce chant, l'onction. Et que l'onction soit véritablement dans sa vie, Seigneur, et tous les gens. Gloire à Dieu. Nous te remercions, Père, pour ce matin. Alors que vous êtes debout, si vous voulez ouvrir votre Bible avec moi dans Ésaïe 61, et mettre un signe dans 1 Corinthiens 13 et 2 Pierre 1. Je vous salue ce matin dans le nom du merveilleux Seigneur Jésus-Christ.
God be praised. Que Dieu soit loué. Amen. 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 The anointing of the Lord is in the house. L'onction du Seigneur est dans le bâtiment ce matin. J'ai demandé à la sœur de chanter ce chant pour moi ce matin. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et Frère Branham nous a dit, bien sûr, que c'est Jésus qui a commencé l'année de grâce à travers les sept âges de l'Église, et Malachi 4 l'a restauré. Mais il a dit dans le chef-d'œuvre identifié en 1964 à Yuma, il a dit que la deuxième partie est le jour de vengeance de notre Dieu. Il a dit que c'est l'épouse, le chef-d'œuvre identifié, qui va emmener cela de l'avant. Ainsi, gloire à Dieu, peut-être que c'est le jour. Afin que vous compreniez maintenant ce que nous prêchons. Ce n'est pas un chant qui est chanté comme ça pour rien, mais c'est dans un but. Amen. 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, la charité, est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et 2 Pierre 1, verset 4, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi, la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, la charité. Car si ces choses sont en vous, si, et si elles y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Courbons la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Seigneur, nous avons entendu notre sœur chanter l'onction. Seigneur, que l'onction, que l'Esprit du Seigneur vienne sur nous maintenant, qu'il vienne sur moi pour prêcher. Remplis-moi de la puissance pour le service, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, puisses-tu déverser le Saint-Esprit, puisses-tu déverser une révélation aujourd'hui, afin que les gens puissent comprendre le jour dans lequel nous sommes, ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, Père. Leur donner la foi pour commencer à ajouter ces vertus, Seigneur. Puisses-tu les sceller aujourd'hui et qu'ils reconnaissent, qu'ils puissent agir sur ces promesses, Seigneur. Cette montagne qui est devant nous, gloire à Dieu. Une montagne de promesses par Malachi 4. Et alors, Seigneur, déverse la charité aujourd'hui. Et dans la charité, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et le Saint-Esprit qui va sceller ces vertus en nous. Oh, gloire à Dieu. Nous te remercions, Père. Maintenant, puisses-tu bénir cela dans nos oreilles, dans nos cœurs. Nous prions et demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bien, gloire à Dieu. Voici le tableau à nouveau. La dernière fois que nous l'avions, c'était lors de la porte ouverte.
Brother Norman, et frère Norman, to brotherly kindness, et à l'affection fraternelle, la charité. And I have a subject, et j'ai un sujet. Charity anointed seven virtues, les sept vertus ointes par la charité pour une manifestation des sept tonnerres. Amen. Amen. Understanding what thou hearest? Comprenez-vous ce que vous entendez? Now we're anointed now, right? Maintenant nous sommes moins, n'est-ce pas? Amen. Amen. April 6th. Le 6 avril, been very strange season, ça a été une saison très étrange. J'étais malade, épuisé. J'ai un peu modernisé ma maison et mon épouse. Et nous sommes restés à la maison de Jonathan depuis pratiquement 2 mois, avec des allées et venues et beaucoup de stress et tout pour les transformations. Et puis, pas beaucoup de temps pour étudier. Mais le 4 avril, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, m'a donné ce message. Ensuite vint Jésus, après Pâques. Et je ne savais toujours pas ce que je faisais, j'avançais par la foi. Le 6 avril, le samedi, il m'a parlé 2 fois dans le matin. Les 7 tonnerres sont les 7 vertus des 7 âges de l'Église. Lorsque c'est entré dans mon cœur, j'ai dit, eh bien je sais cela, mais est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre? Et alors il a dit, et à l'affection fraternelle, ajoutez la charité pour le 9 juin. Voilà ce qu'il m'a dit. Ainsi, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je crois dans un des messages, le connaître depuis le commencement, j'ai dit ces paroles. Je dis ceci dans un but, mais je cherchais encore l'inspiration moi-même. Et alors, le 9 juin 1974, l'affection fraternelle est née en nous du message « Ayez compassion de certains ». Et alors, depuis le 9 juin 1974 jusqu'au 9 juin de cette année, ça fait 17 ans, et le 1er juin, il y a juste une semaine environ, je me demandais ce que j'étais censé faire. Moi, j'ai laissé quelque chose là, le 11 mai. Je ne savais toujours pas ce que j'étais censé prêcher. Et le samedi matin, il m'a dit, tempérance. J'avais des notes là. Et immédiatement, je savais que j'allais devoir prêcher la patience et la piété. Mais je ne pouvais pas m'imaginer où j'allais prêcher la piété parce qu'il m'avait déjà dit le 28 avril que depuis le 28 jusqu'au 16 juin, Robledo et moi, nous devions partager 8 dimanches pour libérer les captifs. Que ce serait un jubilé de 50 jours. Ainsi, j'espère que certains s'en vont libres, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que les gens s'en iraient libres. Alors il a fait cela, et plus tard, il m'a dit le 1er juin, non, il m'a dit que je devais parler sur la tempérance et la patience, mais je ne pouvais pas imaginer où la piété. Alors il m'a dit mercredi le 5 juin. Ainsi alors, le 1er juin, j'étais simplement en train de méditer et le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit d'ajouter un autre message. J'ai dit, ajouter un autre message. Je ne pensais pas aller plus loin que la foi à Pâques et puis ensuite vers Jésus et la vertu. Et ensuite, le 28 avril, la connaissance, le connaître depuis le commencement. Ainsi, je pensais que j'avais terminé de prêcher sur les vertus avec la foi, la vertu et la connaissance. Et alors, le 11 mai, voilà ce qu'il m'a dit, prêche sur la tempérance, viens au repas. Alors, instantanément, je savais que j'allais prêcher sur la patience et la piété. Et le 9 juin, il m'avait déjà dit, le 6 avril, à l'affection fraternelle, ajouter la charité. Ainsi, le 1er juin, il m'a parlé à nouveau et il a dit, ajoute un autre message. Je pouvais à peine prêcher le mercredi. Alors il m'a répondu avec les Écritures et à la piété, l'affection fraternelle. Et il a dit, sépare-le. Tu as toujours prêché à l'affection fraternelle, ajouter la charité, 2 ou 3 fois peut-être. Et il dit, mais cela doit être séparé. Ainsi prêche sur l'affection fraternelle vendredi. Et je l'ai fait. Comment je suis arrivé ici, je ne sais pas, mais je l'ai fait.
Et aujourd'hui, je devais avoir l'inspiration pour aujourd'hui. Il me l'avait déjà dit. Il a dit, change un petit peu. Et à l'affection fraternelle, la charité, tout comme c'est dit dans les Écritures. Ainsi, voilà ce que je fais ce matin. Amen. Et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, la charité. Ainsi, il a dit, sépare-le et fais-en deux messages. Il m'a ainsi fait prêcher ces huit vertus depuis le 7 avril, la vertu jusqu'à la charité aujourd'hui. Ainsi, nous y voilà. Ainsi, je devais prêcher mercredi et vendredi soir pour terminer ma course le 7 juin. Je vais terminer avec l'affection fraternelle. Eh bien, gloire à Dieu. Cela a été 17 années formidables d'essayer de prendre ces promesses. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le 9 juin. Je suis simplement censé prêcher sur la charité. Ne devez pas être tout raide et vous demander ce qui va arriver, parce que ça ne vient jamais comme cela. Et si vous feriez aussi bien d'entrer, comme vous l'avez fait le mercredi et vendredi, n'essayez pas là en essayant de vous presser, en vous demandant qu'est-ce qui va se passer, comment ça va arriver, où ça va arriver, est-ce que ça va m'arriver à moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais mourrez simplement et entrez dans l'onction. Dites, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais n'allez pas ici, restez éloigné de là, parce que je ne sais même pas moi-même. Amen. Je ne sais pas. J'ai avancé par inspiration. Ainsi, j'ai prêché la septième vertu le 7 juin et à la piété, l'affection fraternelle. Ça termine ainsi les 17 années, le 7 juin, en prêchant sur les sept tonnerres, sont les sept voies, les sept âges de l'Église, les sept vertus, l'affection fraternelle, l'adoption, la perfection, les promesses, etc., etc. Toutes les promesses qui étaient censées vous garder vivant. Amen. Puis 25 ans environ, et en particulier les 17 dernières années. Et ensuite, inspiration du mois d'avril, il a parlé deux fois, les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église. Il n'a pas expliqué cette déclaration. Et je ne sais pas toujours exactement ce qu'il veut dire. Ce que ça signifie maintenant, je ne sais pas. Et j'espère qu'il va me le montrer aujourd'hui. Amen. Mais c'est peut-être que je vais découvrir aujourd'hui pourquoi cela m'a été parlé par Dieu. Les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église. Après ce jour-ci, j'espère avoir un peu de repos et puis recevoir l'inspiration pour Macon en Géorgie. Ainsi, priez pour moi. Cela a été très difficile. Ainsi, je suis un petit peu à plat ici, mais les trois dernières années, trois années et demie depuis 88, le 3 juin, voici la semence pour vous, ça a été des épreuves plus difficiles. Depuis trois ans et demi jusqu'au mois de juin, ça fait trois ans et demi d'épreuves plus difficiles que j'ai dû traverser, étant malade, fatigué, le diabète et tout. Mais j'y suis arrivé jusqu'au 7 juin. Par la grâce de Dieu. Ainsi, nous allons dans le huitième message. Je n'ai jamais fait ceci auparavant, je ne pense pas. Je me souviens, en 1974, j'ai prêché la pierre de fête d'amour, mais je n'avais pas prêché directement sur la charité. C'est la première fois, je pense, que je fais ceci. Les huit ensemble, gloire à Dieu. Ainsi, nous allons dans le huitième message. Je crois que c'est la première fois que je le fais ainsi. Et à l'affection fraternelle, la charité. Maintenant, souvenez-vous, Amen. La charité ne faillit jamais. Tout le reste va faillir. Le monde va faillir. Le pays va faillir. Les présidents, les rois, les potentats, tous les hommes vont faillir. Vos amis, la famille, tout le monde. Mais la charité ne faillit jamais. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. You may be seated. Now, charity, we maintenant, talk about la charité dont nous parlons, ce n'est pas simplement la charité, une espèce de société ou donner des choses, ou des vêtements, des choses comme cela, des vieilles chaussures. Nous ne parlons pas de ce genre de charité. Amen. Nous parlons de l'amour divin, l'amour
Agapao. Amen. It is spontaneous. C'est l'amour divin, spontané. Maintenant, il y a 9 ingrédients que j'ai pris ici dans 1 Corinthiens 13 de l'amour divin. C'est juste dans les Écritures ici. La patience. C'est l'amour passif. Il ne se dépêche pas, il a de la longanimité, il supporte, il croit, il espère et endure tout. Vous voyez cela dans le verset 4, verset 7. La gentillesse, numéro 2, l'amour en action. Gloire à Dieu. Il n'agit jamais de manière rude ou brutale. Il n'est pas inconsistant ou enflé d'orgueil. Ou de fierté. Gloire à Dieu. Verset 4. Numéro 3, la générosité. L'amour en compétition. Il n'envie pas, il n'est pas jaloux. Au verset 4. Quatrièmement, l'humilité. L'amour qui se cache. Ne court pas par-ci, par-là, vous savez. Ne fait pas de parade. Je suis un chrétien. Il travaille, voyez-vous, il fait ce qu'il a à faire et puis il se retire. Il sort de la scène après avoir fait ses bonnes œuvres. Il dépose la nourriture et puis il s'en va. Il ne reste pas là en disant, comment est-ce que ça goûte? Est-ce que vous aimez ça? Vous voyez, non, il est parti. Gloire à Dieu. Ne cherche pas des médailles ou le mérite. Vous me saisissez? J'ai dû parler dans le naturel pour que vous puissiez me saisir. Numéro 5, la courtoisie, l'amour dans la société. Courtois, n'agit pas de façon malhonnête, mais est toujours poli. Il ne pousse pas, il ne tire pas, mais toujours poli à la maison. Toujours les mêmes. Il n'aime pas seulement ceux qui sont aimables, mais aussi ceux qui ne sont pas aimables. Toutes les classes, toutes les sortes. Amen. N'est jamais impoli ou discourtois. Verset 5. Numéro 6. Il n'est pas égoïste. L'amour dans son essence. Jamais égoïste. Amer ou aigre. Mais il cherche seulement le bien des autres. Ne méprise pas les autres. Mais relève les autres. Ne les abaisse pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il cherche seulement le bien des autres. Il ne se venge pas ou il ne cherche pas à se venger. Alléluia. Verset 5. Regardez le tableau là. Montez l'échelle. Où pensez-vous être là sur cette échelle? Gloire à Dieu. Numéro 7. Un bon tempérament. L'amour dans sa disposition. Amen. N'étant jamais irrité. Jamais plein de ressentiment. Verset 5. Numéro 8. La justice, l'amour dans sa conduite. Qui déteste le péché, n'est jamais content quand les autres font ce qu'il ne faut pas, mais se réjouit toujours de la bonté envers les autres, toujours lent à dévoiler les choses, parce que la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ne va pas chercher les fautes de ses frères et sœurs, mais il les couvre. Alléluia. Amen. Toujours désireux de croire les meilleures choses, toujours plein d'espérance et supporte. Verset 6 et 7. Numéro 9, la sincérité, l'amour dans sa profession, n'est jamais plein d'orgueil. Ce n'est pas un hypocrite, non plus. Toujours honnête. Il ne laisse pas d'autre impression que ce qui est strictement vrai. Amen. Il n'est jamais. Auto-suffisant, et il n'explose pas dans une colère passionnée, et il ne couvre pas les mauvaises choses. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, lui ou elle? Je ne comprends pas. Moi, je ne peux plus aller à l'église. Gloire à Dieu. Mais toujours juste, toujours joyeux et fidèle, et il sait comment rester silencieux. Plein de confiance, toujours présent, bien sûr. Il est là, et puis vous marchez, et puis il fait demi-tour, et il vient, il est là, il est présent. Peu importe ce qui est arrivé, voyez-vous, il est là, instantanément,
C'est spontané. Maintenant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. La charité ne faillit jamais. Elle ne peut pas faillir. Nous pouvons avoir tout là qui est repris dans les trois premiers versets là, des Corinthiens. Nous avons tout là, gloire à Dieu. Nous parlons les langues, les hommes et des anges, nous n'avons pas la charité. Nous sommes comme un airain qui retentit, une cymbale retentissante. Si nous avons le don de prophétie et comprenons tous les mystères, même si vous comprenez le mystère de l'enlèvement, si vous n'avez pas la charité, ça ne signifie rien pour vous. Même si vous comprenez les tonnerres et toutes ces choses, cela ne signifie rien, à moins que vous ayez la charité. Gloire à Dieu. Amen. Même si vous avez toute la foi des sept tonnerres, la foi de l'enlèvement, et si vous n'avez pas la charité, je ne suis rien. Oh, gloire à Dieu. Et si je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je donne même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Eh bien, qu'allons-nous faire? C'est pourquoi donne-moi cette montagne. Nous allons mourir à nous-mêmes. Nous allons naître de nouveau. Nous allons ajouter à notre foi. Alléluia. Nous n'avons plus le temps de rester là aux alentours. Nous savons ce qu'est ce message. Nous avons la connaissance pour comprendre maintenant. Oh là là. N'aimeriez-vous pas avoir la charité? Combien voudraient avoir la charité ici? Gloire à Dieu. Eh bien, vous le pouvez. C'est votre promesse pour cet âge. C'est déjà confirmé par Malachie 4. L'enlèvement est déjà confirmé. La nouvelle cité est confirmée. Ce n'est pas peut-être, ça va être. Qu'est-ce que c'est? La demeure future de l'épouse, c'est déjà confirmé. C'est déjà dans votre cœur. C'est sur les cassettes, les brochures. C'est déjà confirmé. Cette promesse de la charité est confirmée. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, souvenez-vous, les sept vertus doivent absolument naître en vous avant que la charité puisse les sceller en vous pour les services. Et vous ne pouvez même pas avoir la vertu avant de premièrement naître de nouveau. Ainsi, nous avons sept vertus humaines, mais nous ne parlons pas de celles-là, voyez-vous. Et numéro deux, ces sept vertus, elles doivent être prouvées en vous de manière scripturaire. Elles doivent être testées. Votre tempérance, votre patience doivent être testées. Et ainsi de suite, votre connaissance doit être testée pour comprendre qui est dans le message et ce qu'est le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que Dieu ne peut pas faillir, Dieu ne peut pas mentir. Dieu guérit, Dieu scelle la connaissance. Amen. Elles doivent naître en vous avant que le Saint-Esprit, qui est la charité, puisse venir sur vous et vous sceller. Voyez-vous, vous ajoutez ces sept vertus jusqu'à la stature complète de Christ, jusqu'à ce qu'elle soit manifestée. Alors le Saint-Esprit vient dessus et scelle cela comme un seul corps. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, hallelujah. Dans le guide, page 16, Frère Branham dit, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? Il parlait ici de l'instinct des canards qui vont vers le sud en hiver. Lorsque le froid arrive, voyez-vous, ils vont en Louisiane et le Texas pour trouver du riz, hein, etc. Et qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? L'instinct, voyez-vous, cela devrait nous conduire de toutes les formalités, des credos et ces choses dans un merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit où il y a la vertu, la connaissance, la patience, la piété, le Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'il vous dit, c'est que le Saint-Esprit lui-même descend du ciel avec un cri. Et il est descendu sous la forme de la mécanique et de la dynamique, comme des promesses ensemble. Et ça, c'était le guide. Et le prophète a libéré cela. Et cela aurait dû nous conduire depuis 1966 à la vertu, à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la piété, à l'affection fraternelle. Et peut-être aujourd'hui, le Saint-Esprit. Pendant toutes ces 25 années, et peut-être aujourd'hui que la charité se déversera. Parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et de même, la patience, il reste, c'est à l'intérieur. Eh bien, Église, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Voilà pourquoi je me consacre sur cette troisième phase à partir du 9 juin, aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen.
Ainsi, la commission des ministres de nous tous, ma commission de toute façon, et c'est censé être pour les autres, un statut de l'homme parfait, page 59, il cite ici 2 Pierre 1, les merveilleuses et grandes promesses qui nous sont données. Comprenez-vous maintenant les promesses? Elles nous ont été données par Malachi 4 et il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé? Les promesses. Et beaucoup sont ici, ils sont tristes, ils ne comprennent pas que c'est une promesse. Dieu donne la promesse. Noé, il va pleuvoir. Je te promets la pluie. Maintenant, supposez que Noé soit tout nerveux et excité après 10 ans. Où est la pluie? Après 20 ans, il est fâché. Après 50 ans, mauvais, 75 ans, il arrête de le prêcher, il s'en va. Mais Noé n'a pas chancelé. Gloire à Dieu. Il a dit, il pleuvra. Amen. Il y aura la stature de l'homme parfait. Amen. Il y aura un glorieux baptême du Saint-Esprit où il y a la vertu, la connaissance et la tempérance. Peu importe combien de temps je dois le prêcher, cela arrivera, gloire à Dieu. Combien de temps vas-tu le prêcher? Jusqu'à ce que le dernier soit scellé avec la charité. C'est alors que je m'arrêterai. Et jusque-là, c'est ma commission. Pouvez vous asseoir. Maintenant, nous avons échappé. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez échappé au monde. Voilà ce que vous faites ici. Vous avez échappé au monde par ces grandes, ces précieuses promesses, afin que vous soyez participants. On n'est pas simplement échappé au monde pour venir ici. Pourquoi? Pour être participants de sa nature divine. Dans un but, Dieu vous a appelé à la vertu et à la gloire. Alléluia! Pour être participant de sa nature, au travers des promesses. Pouvez vous asseoir. Ayant échappé à la corruption. Écoutez cela, ce que dit le prophète là. La corruption qui est dans le monde par la convoitise, la corruption, les gens qui ont des convoitises pour l'argent, les femmes, le sexe, toutes sortes de choses. Voyez-vous, c'est ce qui est dans le monde, la corruption. Mais nous avons échappé à cela. Oh, ça suffit pour s'asseoir pendant 10 ans et dire « Alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus » pour avoir échappé à la corruption, pas étant là tout triste. Il pleuvra. Oui, monsieur. La convoitise pour l'argent, pour les grandes choses. La convoitise pour la popularité, voici. Voyez-vous, tout ce sont des désirs. Mais ces choses sont mortes pour le croyant. Peu importe une tente ou un cottage, pourquoi me soucierais-je vivre ou mourir, couler ou surnager? La seule chose qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu, que je maintienne mon foyer, que je maintienne ma famille, quoi que ce soit. Laissez-moi maintenir Christ, l'espérance de la gloire. Édifie-moi au Seigneur, voyez-vous ici, au Seigneur, que Christ soit ma tête, que cela agisse au travers de ma fondation, de ma foi, amen, qui est en lui, que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle agissent en moi, au Seigneur, c'est ma prière. Peu importe, vivre ou mourir, couler, dénomination ou pas dénomination, ami ou pas, voyez-vous pourquoi je prêche de la façon dont je prêche? Je n'ai pas d'amis, voyez-vous. Mais je dois prêcher la parole. Ils sont tous partis. Mais que cela agisse en moi. Maintenant que la vertu de Christ, sa connaissance, se déverse. Que la charité s'avance et déverse la vertu, déverse la connaissance. La semence est déjà là. Quand avez-vous mis cette semence? Le 7 avril, le 28, le 12 mai, le 26 mai. Amen. Les ai mis là. Le 5 juin, le 7 juin. Les semences sont là. Alléluia. Quand cela est-il arrivé? Ensuite vint Jésus. 17 ans, la foi, la foi, la foi, la foi. 17 ans plus tard, ensuite vint Jésus. Maintenant, il revient à nouveau avec cette vertu. À nouveau. Maintenant, quelque chose va arriver, gloire à Dieu. Tout ce groupe est rassemblé, gloire à Dieu. Alléluia. Glory to God.
Gloire à Dieu. La gloire de Dieu est dans le temple. L'onction est sur vous. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Comprenez-vous maintenant? Les pensées s'ouvrent, gloire à Dieu. Que cela se déverse, afin que je puisse enseigner, car Dieu a mis dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, tous pour le perfectionnement. Maintenant, le sixième message, mercredi, vous pouvez le saisir là, et amener toutes ces vertus jusqu'à la perfection de la venue du Fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Et le Seigneur vient avec un cri, la voix et la trompette, cette perfection-là. Oui, monsieur. Que cela déverse, Seigneur. Alléluia. Le guide a dit que l'affection fraternelle et le Saint-Esprit. Ça veut dire que si ce merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit se déverse aujourd'hui, immédiatement, ces semences vont recevoir la foi. Amen. Et ceux qui ont déjà une naissance seraient remplis. Et alors, ils vont partir à partir de là et commencer à ajouter la vertu, la connaissance, la tempérance et la patience. Alléluia. Ils s'avancent maintenant, gloire à Dieu. Ils vont secouer la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, voyez-vous, le Saint-Esprit lui-même dans l'Église. Maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est Christ, l'onction. Amen. Maintenant, Sœur Farah a chanté ce chant pour nous, l'onction. Maintenant, entrons dans mon sujet. La charité, les sept vertus ointes par la charité pour une manifestation des sept tonnerres. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Il y a trois questions que je veux poser. Je vais donner la réponse. Numéro 1, quelle est l'onction? Numéro 2, comment recevons-nous l'onction? Et numéro 3, après avoir reçu l'onction, qu'est-ce que nous devenons? Amen. Je vais faire une pause et vous laisser penser un petit peu là-dessus maintenant. C'est là. Ça veut dire une pause, penser à ceci. Très bien. Dans le livre COD, questions et réponses, l'ancienne série, là, je pense que c'est la même page. Ainsi, enfonçons maintenant le clou au sujet du quintuple ministère, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de quintuple ministère dans le message. Mais enfonçons le clou maintenant à ce sujet. L'épouse, l'Église, la charité, tout ce qui est parfait est arrivé. Maintenant, Frère Branham répond à la question. Voyons, je pense que j'ai déjà répondu, mais je pense qu'aujourd'hui, on va toucher le but. Beaucoup de questions ici. L'épouse, l'Église, voyez-vous, on ne peut pas diviser. L'épouse, ce sont les élus de Dieu. Et l'Église, ce sont ceux qui passent à travers, voyez-vous. Ce sont ceux, il a dit, quiconque veut, qu'il vienne. Mais l'épouse, ce sont les élus. L'épouse et l'esprit disent, viens. Vous voulez entrer avant cela parce que quiconque veut qu'il vienne, et ça c'est l'Église qui traverse la période de tribulation. Ainsi, nous ne venons pas ici simplement pour rien. Nous essayons d'entrer et d'être placés positionnellement. Si vous pouvez voir ici ce qui se passe là en Europe, Frère Antonio m'a dit ici, son père lui a dit, je crois qu'au mois de juillet, ils vont rassembler tout au niveau de l'argent et ils vont laisser la Russie entrer dans l'Europe là-bas. Et voyez-vous maintenant, l'horloge avance, gloire à Dieu. Quiconque veut qu'il vienne, voyez-vous. Mais les époux, ce sont les élus de Dieu. Ils sont élus. Voyez-vous, ils sont prédestinés. Ils sont heureux d'être là. Ils savent qu'ils vont être scellés. Ils ne sont pas là en train de marcher de façon toute étrange. Non, pas les époux. Mais ce sont les élus, les prédestinés de Dieu. Ils sont toujours les mêmes. Non pas dehors, dedans, avec des hauts et des bas. Non, ils sont là. Lorsque cette lumière touche cette semence, ils ne vont nulle part. Gloire à Dieu.
Amen. Le mari et la femme sont assis ensemble. Ils restent ensemble. Gloire à Dieu. Ils restent ensemble. Amen. Gloire à Dieu. S'ils sont là directement, il y a 5 offices élus de Dieu, voyez-vous, car Dieu a mis dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Dieu qui a fait cela. L'homme, il a des diacres, et ainsi de suite. Mais voyez-vous, mais Dieu a mis dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Vous ne pouvez pas diviser cela. Maintenant, beaucoup de gens dans le message sont tout mélangés avec un ancien qui est apte à enseigner et un véritable pasteur du quintuple ministère. Ils ne connaissent pas la différence. Et voilà d'où viennent tous les problèmes, voyez-vous. Peut-être que cet homme est un pasteur. Mais si c'est un pasteur dans le quatrième ministère, alors c'est Christ qui est là, le ministère de Christ. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans le message là, avec autant de connaissances à asperger, voyez-vous. N'importe qui peut prêcher ce message ici. Mais l'onction, où est l'onction? Alléluia! Elle brise le joug qui est sur les gens. Il ne les lie pas, mais elle brise. Alléluia! Il les libère parce que c'est Christ en eux qui libère les gens par la parole. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas diviser cela. Si nous comprenons maintenant le quintuple ministère, alors puis-je commencer ma commission? Déverser les vertus? Est-ce que vous me recevez en tant que pasteur après toutes ces 17 années de labeur? Croyez-vous que c'est la vérité? Alors restez avec cela, gloire à Dieu. Amen. Bien, maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il sera un témoin pour vous que cette parole est juste. Et vous avez eu cette parole depuis 25 ans. Maintenant, nous attendons au Saint-Esprit cette onction qu'elle descende ici aujourd'hui pour être un témoin pour vous que cette parole est juste. Et Dieu confirme sa parole avec des signes, des prodiges et des miracles et des dons du Saint-Esprit. Alléluia! Le Saint-Esprit va témoigner et vous allez témoigner. Alléluia! Gloire à Dieu! Maintenant, vous avez saisi. Le prophète a amené la parole avec la promesse du Saint-Esprit qui va suivre la parole. Et là où vous prêchez cette parole par révélation, le Saint-Esprit suit cette parole. Zing, 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 là où elle va. Et si quelqu'un la bloque, eh bien, ça va passer au-dessus de vous, gloire à Dieu. Ça va derrière vous, dans le siège derrière vous. Ou ça va vous traverser, gloire à Dieu. Parce que vous n'avez pas de réceptacle pour le retenir. Oui! Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il sera un témoin, voyez-vous, pour vous, que cette parole est juste, la parole pour aujourd'hui, pas la parole pour Luther, la parole de Moïse. Nous sommes témoins que c'est la vérité, voyez-vous, c'est un autre jour. Voilà pourquoi nous prêchons ceci ici. Et je m'attends à ce que le Saint-Esprit le confirme. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens 13 dit ceci, « Lorsque ce qui est parfait sera venu, j'ai lu les Écritures, ce qui est en partie disparaîtra. » Si toutes ces petites choses sautaient, voyez-vous, comme un enfant essayer de parler en langue, et toutes ces autres choses, lorsque ce qui est parfait, voyez-vous, voilà ce qu'il dit. Et nous avons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec la confirmation divine. C'est la charité. C'est la parole qui vient sous forme de dynamique et de mécanique. La dynamique est censée vous confirmer que la mécanique est juste. Alors c'est la charité. C'est Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est partiel disparaît. Toutes ces petites interprétations, voyez-vous, en plus des choses pentecôtistes, ces interprétations sont terminées. Dans le message, ceci, je pense ceci, je pense cela, terminé. Fini. Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur, gloire à Dieu. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je comprenais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses de l'enfant, voyez-vous. Alors, je prêche maintenant et je ne vais pas entrer dans ces choses. Bien, question numéro 1, gloire à Dieu. Quelle est l'onction? Qu'est-ce que c'est? Bien. Où en suis-je ici? Bien. Qu'est-ce que l'onction? Page 101. Amen. 101.
in the book here. Dans la brochure ici. Quelle était cette autre question? J'ai oublié les choses ici. C'est qu'elles étaient. L'une d'elles, c'était. Ils avaient demandé à Frère Branham, mais s'il était le Fils de l'homme. Voici, je crois. Le Fils de l'homme, voyez-vous, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu pouvait être voilé dans ce prophète. Et ils ne saisissent pas. Pas la peau de Jésus, mais la peau de Genèse 18. La peau humaine, voyez-vous, ils ne saisissent pas. Ainsi, ils disent qu'il est le Fils de l'homme. Non, le Fils de l'homme était révélé en lui. Voilà ce que disent les Écritures, le Fils de l'homme serait révélé. Eh bien, le Saint-Esprit, la parole, doit avoir un corps dans lequel entrer. Il ne peut pas entrer dans ce piano là-bas, gloire à Dieu. Amen. Ainsi, il est entré dans le corps de Malachie 4. Bien. Voilà, je crois. Le Fils de l'homme, est-ce que c'était la colonne de feu? Non, non, regardez. La colonne de feu est l'onction. Vous avez saisi maintenant? Et Christ est l'onction. Amen. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos, qui est sorti de Dieu, le Logos, qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. Maintenant, nous prêchons et les gens vont et viennent, voyez-vous, mais ils ne savent pas. Ils rejettent la plénitude de l'expiation. Maintenant, il y a beaucoup dans le message qui prennent l'expiation en partie. Et vous demandez, pourquoi est-ce qu'ils font ceci, pourquoi est-ce qu'ils font cela? Eh bien, ils prennent seulement la chose en partie. Mais l'épouse va le prendre dans sa plénitude. Ainsi, il y a une grande différence là, voyez-vous? Oui. Et voyez-vous, l'attribut, en d'autres mots, vous prenez tout le Logos. L'attribut de la plénitude de Dieu, lorsque Dieu est entré dans une forme où on pouvait le voir, il était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il est descendu comme sept arcs-en-ciel, descendant avec lui, voyez-vous, il est descendant, Dieu le Père, le Logos, qui était sur Israël, il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché, il fallait une offrande de sang là, en Éden, alors ce Logos est devenu chair et a demeuré parmi nous. Et là, le Logos demeurait dans un corps humain qui était le sacrifice. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oui, monsieur. La colonne de feu est le Logos. Avez-vous saisi cela maintenant? Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Est-ce correct? Après sa mort, ensevelissement, résurrection et ascension, lorsque le corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Non, je ne vais pas dire que Dieu a une main droite, Dieu est esprit. Mais à la main droite, ça signifie la puissance et l'autorité de Dieu. Alors dans ce nom, tout dans le ciel reçoit son nom et y est sujet. Tout dans la terre reçoit le nom après cela et y est sujet. Voyez-vous, un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce Logos qui était en lui, qui était l'Esprit de Dieu, l'onction, au travers de la grâce sanctifiante du sang, a amené beaucoup de fils à Dieu, qui sont oints avec le même Logos. Vous êtes oints si vous avez le Saint-Esprit avec le même Logos. Une partie de ce Logos est entrée dans votre être, son être. Entre en vous, gloire à Dieu, vous ne pouvez plus être le même. Vous êtes changé. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Maintenant, le jour de la Pentecôte, il est descendu, cette colonne de feu, et s'est séparé comme des langues de feu posées sur chacun d'eux. Voyez-vous, des langues de feu sur ce groupe élu, sélectionné, identifié par la colonne de feu, montrant que Dieu s'était séparé lui-même dans l'homme. Voyez-vous, le Logos se sépare en lui-même dans l'homme. Dieu, pas dans une seule personne, mais il est dans l'Église universelle. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez, vous en ferez. Plus, la version du roi Jacques dit de plus grande, mais la traduction correcte, c'est davantage, vous en ferez davantage. Voyez-vous, pour l'épouse, Dieu était embouteillé, confiné dans un homme, Jésus-Christ,
Mais maintenant, il est embouteillé, confiné dans l'Église, toute l'Église universelle du Dieu vivant. Voyez-vous, j'ai Dieu dans cette bouteille. Gloire à Dieu, et vous avez Dieu dans vos bouteilles. Dans vos outres, et il vous donne la stimulation de la révélation. Oh, ce sont des outres souples, pas de vieilles outres toutes ridées qui pourraient exploser si vous y mettez du vin nouveau. Ils ne peuvent pas le supporter. Des peaux de Actes 2, 38 qui peuvent crier et se donner Alléluia et dire gloire à Dieu. Non, pas de vieilles outres sèches et toutes ridées. Et vous mettez la révélation là, ça éclate. Oh, je ne peux pas supporter ça. Je sais que vous ne pouvez pas. Je sais que vous ne le croyez pas. Les sept honneurs sont les sept âges de l'Église. Les sept vertus, les sept âges de l'Église. Je ne crois pas à cela. Je sais que vous ne le croyez pas. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Maintenant, pour ceux qui écoutent la cassette, c'est mon Église ici. Ah si, laissez-moi tranquille. J'ai terminé la gloire à Dieu. Je parle à mon Église. Je déverse les vertus en eux. Hallelujah. Si jamais vous vous saisissiez de cette cassette, je ne vous parle pas. Je parle à ces gens-ci, dans cette Église ici. Oui, hallelujah. Gloire à Dieu. Je suis fatigué de ces prédicateurs qui s'imaginent ce que je suis en train de dire. Je parle à ces gens ici. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh là là. L'onction est dans le bâtiment. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, je me sens comme dans la chambre haute. Oui. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant même, alors que Dieu est ici en train de nous parler dans nos cœurs, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe, il est en Angleterre, là où des croyants se rassemblent, il est au milieu d'eux. Et nous sommes ici, nous sommes souverains. Nous prêchons ce que le Saint-Esprit nous dit de prêcher, pas ce que vous pensez que nous devrions prêcher. Gloire à Dieu. Alléluia. Très bien, nous sommes en ligne maintenant. Oui, monsieur. Maintenant même, l'onction est ici avec nous. Gloire à Dieu. Maintenant, comprenons que le corps physique de Jésus-Christ, voyez-vous, est appelé là. L'amour, L-O-V-E, love. Et là, entre l'amour et l'affection fraternelle, il y a le Saint-Esprit. Vous allez comprendre quelque chose maintenant. Vous ne pouvez pas voir love, l'amour, c'est son corps physique. C'est ce que j'appelle le Christ céleste. Nous sommes le Christ terrestre. Nous devons devenir des messiettes sur cette terre. Des oints, gloire à Dieu. Hallelujah! Oui, monsieur, page 103. Alors regardez les œuvres au milieu de nous qui prouvent que le même Jésus qui a vécu en Palestine, c'est le même esprit qui était sur lui et qui est revenu dans un corps. Il revient à nouveau dans la tête et il vient rapidement pour réclamer son corps. Voyez-vous, ça c'est love, l'amour qui revient bientôt pour réclamer son corps. Mais premièrement, il vient avec un cri, avec la voix, la trompette, et puis il est mort en Christ, ressuscite, et nous le verrons. Et alors Malachi 4 dit, voici l'agneau de Dieu. Il dira, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Et c'est là, juste devant vous. Amen. Est-ce que vous vivez pour ce jour-là? Tout le reste ne signifie rien? Alléluia. Gloire à Dieu. De retour à la tête à nouveau. Et il vient rapidement pour réclamer son corps. Il y a un temps de révélation de la rédemption. Alors il y a un temps de réclamation par le feu. Oh Seigneur, envoie le feu pour réclamer nos corps aujourd'hui. Et envoie-moi jusqu'à la résurrection. Gloire à Dieu. La tête vient vers le corps, vous le saisissez. Ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Je suis, la rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile du matin. C'est lui, love, l'amour, le corps physique de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, je ne suis pas lui, il répond à la question, voyez-vous. Je suis son serviteur, et la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est sous forme d'esprit. C'est appelé le Saint-Esprit, la colonne de feu.
Et nous en avons une partie si nous avons le Saint-Esprit en nous, de ce Saint-Esprit. Et il est descendu dans les derniers jours par la parole pour rassembler une épouse de manière universelle par un seul message, gloire à Dieu, dans un seul corps. Oh, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui, c'est une forme d'esprit, voyez-vous, qui était sur le Fils de l'homme. Et alors, il est monté et il a envoyé son esprit dans la chambre haute. Voyez-vous, au travers de tous les âges apostoliques et les sept âges de l'Église, il est redescendu avec sa plénitude ici, l'a libéré, qui a été libéré par Malachie 4. Voyez-vous, la pleine parole, la plénitude, nous parlons du plein Saint-Esprit, alléluia. Je sais ce dont je parle, les sept vertus ouintes par la charité pour une manifestation des sept tonnerres. Amen. Maintenant, je ne suis pas lui, voyez-vous, c'est sous forme d'esprit qui était sur le Fils de l'homme. Il est descendu pour oindre des fils d'homme, pour ramener un ministère. Maintenant, comprenez-vous ce qu'est le ministère de Jésus-Christ? Cette charité qui doit être libérée. Libérée pourquoi? Pour ramener un ministère. Son ministère. Oh, hallelujah. Ramener un ministère exactement comme il a dit que cela serait, afin que la tête, L-O-V-E, l'amour, et le reste du corps se connectent ensemble. Vous avez saisi? Maintenant, il relie cela avec la pyramide. Tout comme la pyramide qu'Enoch a construite, et nous voyons dans la pyramide, ils n'ont jamais posé la pierre de fait. Voyez-vous pourquoi? La pierre de fait doit encore venir. Elle doit encore venir. Les sept marches dans la pyramide. Maintenant, regardez. Nous allons parler de cela un jour. Et j'aimerais vous montrer combien cela est parfaitement avec les Écritures. Et tous ces gars qui viennent là contre les tonnerres et les vertus, il a dit qu'il allait en parler un jour. Le Saint-Esprit allait le faire, voyez-vous. Il allait vous montrer exactement que c'est parfaitement avec les Écritures. Mais c'est une révélation jusqu'à ce qu'on en parle, voyez-vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Ainsi, ils ne le comprennent pas. Maintenant, ce grand diamant, voyez-vous, l'amour, ne pouvait pas se poser là, Luther, parce que, voyez-vous, Luther, c'était trop large. Et Wesley, encore trop large. Et l'affection fraternelle, c'est encore trop large, voyez-vous, vous regardez là. Ainsi, il devait faire descendre un ministère appelé le Saint-Esprit. Et l'amour ne pourra s'adapter que dans le Saint-Esprit. Il ne peut pas s'ajuster avec l'affection fraternelle. Voyez-vous, mais seulement le Saint-Esprit, l'affection fraternelle avec toute la vertu, doit prendre le Saint-Esprit pour saisir la pierre de fait sur la septième marche. Maintenant, c'est la mort d'entrer là. Mais Mardochée a dit, comment s'habiller? Esther, si je dois périr, je périrai. Mais mon peuple, Haman, le conseil mondial, il est après eux, voyez-vous. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mardochée m'a dit ce qu'il fallait porter et comment me vêtir. Et c'était la loi du roi. À ce temps-là, en Perse, vous ne pouviez pas vous approcher à moins qu'il ne vous ait fait appeler. Même si vous étiez l'une de ses épouses, ainsi Esther savait qu'elle n'avait pas d'ordre pour entrer, voyez-vous. C'est pourquoi Mardochée lui a dit, et voilà ce que tu dois faire, Esther. Parce que Haman va tuer ces Juifs-là, tout ton peuple. Ainsi, elle a revêtu tout ce que Mardochée lui a dit de revêtir, voyez-vous, et elle était merveilleuse. Et le roi, oh là là, il était fini. Il a regardé, il a dit, « Oh, qu'est-ce que tu veux, Esther ? Même si c'était la moitié de mon royaume. » Et il lui a tendu le sceptre. Oh, alléluia. Pouvez-vous imaginer que la charité descende ici peut-être en 91 et beaucoup de ces gens dans ce message qui essaient de s'approcher de la charité, le roi, sans ces vertus, avec une petite interprétation étant vulgaire et méchant et éjectant les gens du message, comment vont-ils s'approcher de la charité? Alors que nous venons de parler des choses, de ce qu'il est, n'étant pas enflé d'orgueil, mais supportant tout, espérant tout, gloire à Dieu, comment est-ce que ces gars vont s'approcher de la charité? Hein? Avec leur révélation étrange, en disant que les vertus ne sont pas là, qu'elles étaient là-bas, bien loin en arrière. C'est parce qu'ils n'ont pas la vie. Voilà pourquoi ils ne veulent pas le prêcher. Ils ne l'ont pas. Comment pouvez-vous prêcher? Vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas le produire. Ils ne peuvent pas le produire.
Ils ne comprennent pas. C'est une bataille, c'est une révélation. Vous tombez mille fois, mais vous vous relevez. Je dois l'avoir, je vais l'avoir, je dois l'avoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, allons-y, Esther. Revêt les sept vertus et va voir le roi. Alléluia. Il te donnera le sceptre. Ainsi dit le Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oui, monsieur. Comprenez-vous maintenant que cette pierre va s'ajuster là. Il ne peut pas s'adapter sur aucun endroit de la fondation, voyez-vous. Mais seulement au sommet. Joseph Perfection, voyez-vous. Sur le sommet. Là, lorsque le bâtiment entier, cet endroit qui peut s'ajuster avec cette pierre, voyez-vous là, là au sommet. Alors il fait descendre le Saint-Esprit. Et Jésus ne peut pas venir jusqu'à ce que l'Église, un corps de croyants et le ministère qu'il nous a laissé, voyez-vous, voilà, le ministère du Saint-Esprit sur les apôtres, les premiers apôtres, Malachi 4, vous avez saisi maintenant, le ministère qu'il nous a laissé devra être le même, la même chose qu'alors, voyez-vous. Et alors, cela amènera sa résurrection. Voyez-vous, sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection, a dit Paul dans les Hébreux. Ils devront avoir ce ministère pour ressusciter les luthériens, ceux de Wesley et tous les autres au travers des âges. Et lorsque cela sera venu, voyez-vous, là où les aigles se rassemblent, là où la carcasse des aigles se rassemble, voyez-vous, ça c'était la question. Eh bien, gloire à Dieu! Nous comprenons cela maintenant. Vous savez ce qu'est l'onction maintenant? La colonne de feu. Le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Maintenant, nous comprenons que le Saint-Esprit vient ici dans un but. C'est pour ramener un ministère de la charité. Et son but est de ressusciter les morts. Pour être amené à la perfection. Afin que nous puissions nous connecter avec l'amour. L-O-V-E, love, l'amour, dans les airs. Oh, hallelujah. Est-ce que vous pouvez vivre pour cela? Amen. Pour se connecter ensemble, et cela se relie avec l'onction, la colonne de feu dans la pyramide. Voyez-vous, tout comme la pyramide. Ainsi donc, cette pierre de fête ne pourra s'ajuster que là au sommet. Jésus ne peut pas revenir, voyez-vous, il est l'amour sur le tableau là. Le ministère de Jésus-Christ devra être ici afin de ressusciter les morts dans la résurrection. Alors Jésus reviendra comme l'amour, le corps physique dans l'enlèvement. Ok. Eh bien, Église, nous avons besoin de la charité aujourd'hui. Avons-nous besoin de la charité pour les sept vertus ouintes, pas la charité pour une manifestation des sept tonnerres? Deuxième question. Oh, gloire à Dieu. Comment recevons-nous cette onction? Comment la recevoir? La statue de l'homme parfait. Bien. Voilà comment la recevoir. Page 46, la statue de l'homme parfait, 47. Il parle ici de la pyramide. Ils avaient rejeté la pierre de fête. Elle n'a jamais été mise là au sommet de la pyramide. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi la pierre de fête a été rejetée. La tête, Christ. Mais il viendra un jour. Nous le croyons et nous y attendons ici. Et nous le prêchons ce matin. Même maintenant, viens, Seigneur Jésus. Et nous croyons que nous avons prêché l'inspiration correcte du message du prophète. Et nous n'avons pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu à salut. Gloire à Dieu. Amen. Bien maintenant, comment recevoir cette onction? Très bien, page 47 ici. Maintenant, dans l'édification des vertus, dans l'édification du monument, de la stature, il commence là, voyez-vous, à la fondation, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de tête, la pierre de fête, qui est l'amour, car Dieu est amour, et c'est lui qui contrôle, il est la force. Oh, voulez-vous dire que vous attendez la force? Oh, je ne peux pas. Je ne peux rien faire sans, voyez-vous, le cèpe et le serment. Vous avez saisi maintenant? Vous avez à peine assez de force pour faire éclater un sachet en papier. Amen. À peine assez de force pour sortir là. Et qu'est-ce qui va se passer lundi ou mardi? Nous n'avons pas assez de force, voyez-vous. Pas de vertu, de puissance. Et c'est la charité qui doit le libérer. Amen. Parce que dans la charité, il y a la foi et la vertu et la connaissance et ainsi de suite. Et c'est la parole qui vous a gardé pendant tout ce temps. Amen. Dieu est amour et il contrôle. Il est la force de chacune de ces choses. Voilà, c'est là, ici, voyez-vous.
Et ces petites vagues qui viennent, là, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui descend au travers de Christ, le Saint-Esprit. Voyez-vous le Saint-Esprit là? Et ça, c'est Christ. Et alors, il descend là au travers de cet âge de l'Église. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci, voyez-vous? Il est là en train de souder tout cela ensemble pour construire quoi? Une Église parfaite pour que la pierre de fête puisse venir le coiffer. Qu'est-ce que cela a fait, voyez-vous? Cela a été manifesté au travers de cet âge de l'Église et de sept messagers des Églises. Maintenant, il dit, vous y voilà, les sept âges de l'Église, sept marches, Dieu qui nous édifie, il construit son Église, tout comme il édifie une personne, voyez-vous, un individu en lui-même, la gloire, la puissance qui descend, nous soudant ensemble. Ainsi, les pentecôtistes, voyez-vous, les luthériens, les wesleyens, ils ne savent pas ce dont ils parlent, voyez-vous. Ils ont vécu dans cette partie du temple. Voilà pourquoi des gens peuvent venir aussi haut que là, puis descendre, voyez-vous. Mais il y a une partie authentique qui continue ici le bâtiment, voyez-vous. Je restaurerai, dit le Seigneur, pendant 25 ans, continuant à dire cela. Je restaurerai, dit le Seigneur, il y aura la charité, voyez-vous. Et les autres, ils chutent, ils tombent là, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne comprennent pas, voyez-vous, qu'ils sont testés. Mais cela va arriver, parce qu'il l'a dit. Et voici comment il le fait. Bien, comment le fait-il, frère Coleman? Comment vais-je recevoir cette onction? En recevant ces vertus. Mais cela ne viendra que sur les vertus. Il n'y a pas d'autre chemin, voyez-vous. Je viens de vous le lire, les sept vertus de 2 Pierre 1, 4 à 7. Qu'est-ce que cela fait? Alors ils attendent la pierre de fête, qui est l'amour, car Dieu est amour, et c'est lui qui contrôle la force de chacune de ces vertus. Amen. Et Christ, le Saint-Esprit, la colonne de feu, l'onction, voyez là sur le tableau, le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci, soudant tout cela ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté cela au travers des stages de l'Église. Sept marches et ainsi de suite. Je restaurerai, dit le Seigneur. Ici, à page 47 et page 48. Souvenez-vous de cela, l'arbre épouse. Souvenez-vous de ce sermon sur l'épouse, l'arbre de l'épouse. Il a taillé, voyez-vous, des branches dénominationnelles. Il les a taillées. Et puis une autre branche a été suscitée, une autre église. Les branches dénominationnelles, il les a taillées. Mais le cœur de l'arbre a continué de croître. Maintenant, regardez, au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est lorsque Christ, le Saint-Esprit, vous voyez, Jésus descendra et il se posera lui-même à la tête de l'Église. Et alors il ressuscitera l'Église comme étant son propre corps. Et il est venu comme étant le cri au travers du prophète, avec le message, et ce message, la parole, devait être la tête de l'Église. Et alors si vous trouvez un pasteur ou un homme de Dieu qui va prêcher la tête, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça, ça je vous le dis. Elles se fâchent. Oh, vous êtes méchant, difficile, dur, mais c'est la tête, Christ, qui descend du ciel avec un cri. Alléluia! Au travers du prophète. Et il est toujours en commandement aujourd'hui, gloire à Dieu. Beaucoup sont partis, mais Christ, la tête, comme la parole révélée, est ici même. Alléluia! Il ne sera pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'ils s'en aillent tous, gloire à Dieu. Mais moi, je ne serai pas ébranlé. Ainsi, ils ne savent pas que Christ est ici, la tête. Ils ne savent pas qui est la parole. Voyez-vous, ils avancent par leurs émotions et ainsi de suite. Mais la tête a toujours été ici, étant la parole. Ainsi, obéissez à la parole et les choses qui sont prêchées, voyez-vous. Il ne fait que vous tester dans ce jugement d'investigation pour voir si vous voulez vraiment vous en aller d'ici. Voyez-vous? Amen. C'est lorsque Christ, le Saint-Esprit, Jésus descendra et se posera lui-même à la tête de l'Église. Le message de Malachi 4 et la tête de l'Église. Voilà pourquoi vous êtes ici. Toutes ces brochures et tout, voyez-vous, c'est la tête. Et le prédicateur est censé garder cette messianité-là bien droit dans le chemin. Oui, monsieur. Oh là là. Alors, il va ressusciter l'Église étant son propre corps. Voyez-vous comment il se montre lui-même. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est nous abandonner. Oh, gloire à Dieu.
Et là est un corps. L'Église étant son propre corps, voyez-vous. Et Dieu nous attend en tant qu'individus. Nous devons grandir. Voyez-vous, il fait grandir son Église au travers de cet âge d'Église, dans chaque âge. Et cela devient une grande Église. Voyez-vous cela maintenant? C'est pourquoi, au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est lorsque Jésus vient, Christ, le Saint-Esprit, Jésus, l'onction, descend et se pose à la tête de l'Église. Qu'est-ce qu'il est? L'onction, Christ, le Saint-Esprit, l'onction. Amen. Maintenant, nous disons, comment recevoir cette onction? Je viens de vous en donner une partie ici, maintenant voici le reste. Ces gens-ci, ils parlent ici de Luther, Wesley, les pentecôtistes, les autres. Il a amené son Église, voyez-vous, de la même façon qu'il amène son peuple, l'Église et puis les individus ensemble. Ensuite, Pierre, voyez-vous, il a dit, je lis ici, Pierre a dit, sept choses, la foi, la vertu, voyez-vous, montant toujours, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le véritable baptême du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau, je l'ai. Vous avez quoi? Avez-vous ces vertus qui sont nées en vous? Une véritable patience, une véritable tempérance, une véritable piété, avant qu'il ne vienne sur vous? Est-ce que je vous ai perdu? Vous ne faites que commencer. Vous êtes ici depuis 25 ans, prouvant simplement que vous le croyez. Sinon, je n'aurais personne à qui prêcher. Amen. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes l'épouse. Vous êtes la reine. Vous êtes la partie de cette parole. Croyez-le. N'en doutez pas. Alléluia. Ne retombez pas maintenant dans votre esprit humain. Amen. Mais gonflez votre poitrine, gloire à Dieu. Vous avez saisi maintenant? Ces vertus en moi avant que le Saint-Esprit vienne sur moi. Je viens de vous l'expliquer. La charité. Cette vertu ointe par la charité. Alléluia. Ainsi, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes censé mettre ceci en vous, voyez, mais vous attendez à avoir de la vertu. Mais vous, le Saint-Esprit va se déguiser en tant que vertu. Voyez-vous, le Saint-Esprit, l'onction, la colonne de feu, amen, la charité. Et je prêche pour cela aujourd'hui, pour qu'il descende ici en tant que vertu, le guide, et qu'il vous donne la puissance dans votre naissance, et ensuite amener à la naissance ceux qui sont ordonnés. Alors ils vont commencer à ajouter ensuite la vertu, la connaissance et la tempérance sous la charité, l'onction. Mon Dieu, amen. Pouvons-nous dire amen? Est-ce que nous saisissons cela? Maintenant, je ne veux pas exploser votre pensée comme si vous aviez manqué quelque chose. Non, ne vous inquiétez pas. Nous ne faisons que de commencer. Voyez-vous, j'essaie simplement de vous prêcher, vous déverser ces choses. Amen. Voici comment recevoir l'onction. Je réponds à une question, voyez-vous. Alors, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit. En d'autres mots, l'Esprit, d'une certaine manière, et il agit d'une certaine manière. Et alors, c'est la parole qui est déjà en vous. Ensuite, il vient là-dessus et il oint la parole qui est déjà en vous. Et vous n'allez pas seulement entendre le message, mais vous allez voir la manifestation du message de l'intérieur. Dieu va devenir tangible comme il l'était en Malachi 4. Alléluia! Oh Église, gloire à Dieu! Alléluia, gloire à Dieu! Comprenez-vous ce que vous entendez? Vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi me dépêcher, gloire à Dieu. Christ dans la personne du Saint-Esprit vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Alors vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé le bâtiment. Le tabernacle vivant du Dieu vivant, l'endroit, la demeure. Alléluia. Oh là 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 là. Alors Dieu, l'onction et vous êtes un. Dieu vit dans un tabernacle appelé le bâtiment, le tabernacle vivant.
de l'endroit de demeure du Dieu vivant. Lorsqu'un homme possède ces choses, et vous, le Saint-Esprit, l'onction vient sur lui. Amen. Lorsqu'un homme possède ce genre de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Avez-vous saisi cela? Lorsque vous possédez la foi et la vertu, la connaissance, que cela bouge et vit en vous, alors vous attendez la charité. Et tout à coup, alors un jour, voyez-vous, le Saint-Esprit fait un rapport au Père. Il ou elle est prêt, mais mets-le de côté, je vais les visiter avec un ange. Et alors, le même Saint-Esprit qui a envoyé Christ, voici mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer, et dans le, il est allé dans le désert. Et plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, sur la montagne, le même Saint-Esprit, voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer, écoutez-le, cela est ajouté. Amen. Ainsi nous sommes là, à la rivière maintenant, nous attendons à ce que le Saint-Esprit vienne, la colombe, qu'elle descende, la charité, la colombe, et qu'elle nous emmène dans nos épreuves, dans les tentations, 3 attaques sauvages de Satan, pour prouver que nous avons ces 7 choses en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Où avez-vous été? Où allez-vous? Vous êtes découragé? N'êtes pas satisfait ou quoi? Vous préparez pour 3 attaques sauvages. La convoitise des yeux, gloire à Dieu, la convoitise de l'esprit, l'orgueil de la vie. Voilà pourquoi j'ai prêché sur ces petites choses ici, pour essayer de vous préparer. Pouvez-vous imaginer la TV d'un côté et la charité de l'autre côté, l'onction? Comment allez-vous mettre les 2 choses sur la même balance? Amen, gloire à Dieu. Vous pourriez parler en langue, vous pourriez imiter tous les dons que Dieu a, vous pourriez avoir la foi pour déplacer les montagnes, gloire à Dieu, vous pourriez faire cela, mais à moins que ces vertus ici entrent en vous, vous êtes encore à côté du véritable fondement de la foi. Lorsque ces vertus grandissent et que vous ajoutez alors à ceci, à cela, alors vous devenez un monument vivant, vous êtes une idole vivante en mouvement. Vous ne devrez pas demander une confirmation, parce que vous aurez la chose à l'intérieur, confirmant cela, gloire à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! La charité ne faillit jamais. Sans ceci, ici, cela ne profite de rien. Mais lorsque ces 7 vertus grandissent, que vous ajoutez ceci, cela, 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 maintenant, comment recevoir l'onction? Oui, monsieur, nous devons mourir. Amen. Page 50. Et si vous mourrez, vous prenez le sang d'un homme, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup n'ont jamais été embaumés. Vous prenez le sang d'un homme, il est parti. Alors la seule chose que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui. Vous me saisissez maintenant? Un autre sang, amen, en lui. Gloire à Dieu. S'il doit vivre à nouveau, voyez-vous, vous avez pris son sang. Et maintenant, regardez, vous mettez le sang. Ces paroles, le sang de Jésus-Christ, Alinda. Bien. Et cela amène, regardez, la foi de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore dit Jésus-Christ, mais c'est la foi. Voyez-vous, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Comprenez-vous maintenant? Ces 7 choses sont de Jésus-Christ. Mais la charité est Jésus-Christ, l'onction. Amen. Oui, monsieur. Qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle au travers du message et de la Bible, de retour à la Bible. Oui, monsieur. Et vos pieds sont sur la fondation, la foi. Amen. Contrôlée par la tête. Vous y voilà. Voilà l'homme parfait de Dieu lorsqu'il possède ses vertus. Alors Dieu est représenté dans son Église comme une épouse, une femme. Dieu représente son Église comme une épouse. Et il amène chaque individu, un fils, il amène là dans son épouse, au travers de ses âges. Il amène, voyez-vous, cette Église complète dans ceci. Vous y voilà. Ainsi nous allons mourir, n'est-ce pas?
Maintenant, qui était ici vendredi soir? Bien, vendredi soir, je vous ai amené ici, voyez-vous, dans l'affection fraternelle, et j'ai lu ceci. Maintenant, après l'affection fraternelle, alors voilà, maintenant vous arrivez. La chose suivante, alors vous ajoutez la charité, qui est l'amour, c'est la pierre de fête. Alors j'ai terminé là vendredi soir, vous vous souvenez? Eh bien, je vais reprendre à partir de là ce matin. Je vous ai amené jusque-là, voyez-vous, à la septième marche. Et maintenant, page 51, vous êtes scellé. Amen. Vous y voilà, voyez-vous. Alors vous avez les sept vertus ointes par la charité pour une manifestation des sept tonnerres. Bien maintenant, vous êtes scellé, page 51. Un sceau se voit des deux côtés, que vous partiez ou que vous veniez, voyez-vous. C'est un sceau, de la même façon, voyez-vous. Lorsqu'un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de fête descend et les scelle dans le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Voyez-vous, et cela se voit des deux côtés. La foi est à l'intérieur, et cela se voit, la foi, et la charité est à l'extérieur, et cela se voit. Correct? La foi et la charité. Bien. Je pense que j'allais monter l'échelle là, mais j'ai parlé d'autre chose ici. En Géorgie, oh gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, je vous ai juste là et puis je redescends. La foi à l'intérieur et la charité à l'extérieur. Amen. La foi dans l'onction qui va être à l'extérieur. La foi pour avoir la tempérance lorsqu'une situation arrive. Voyez-vous, la foi dans l'onction qu'elle va contrôler votre chair. La foi dans cette onction pour être comme Christ. Voyez-vous, vous êtes scellé avec la foi est scellée là, et la charité est à l'extérieur. Maintenant, vous savez comment recevoir l'onction. Bien, lorsqu'un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de fête descend et les scelle dans le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Comprenez-vous cela maintenant, le royaume de Dieu est le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la foi et la vertu et la connaissance. Et cela vient au travers des sept âges de l'Église. Si vous saviez seulement combien nous sommes proches de la résurrection, oh, vous éclateriez ici en train de crier partout dans l'endroit. Oh là là! Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! Bien! Maintenant, j'ai terminé les questions. Vous savez comment le recevoir maintenant? Comment recevoir la charité? Je viens de vous le dire. C'est la question numéro 2. Maintenant, question numéro 3. Je pense qu'il y a certains esprits qui sont complètement soufflés ici. Mais j'avance de toute façon. Je vais arriver à mon apogée maintenant ici. Oh, gloire à Dieu, j'ai terminé. Si. Et vous pensez, vous imaginez ceci, vous imaginez. Question numéro 3. Après avoir reçu l'onction, qu'est-ce que nous devenons? Amen. Gloire à Dieu. Okay, back to 48. Bien, nous retournons à la page 48-49. Lorsque nous recevons cette onction, voyez-vous, cela vient dans l'Église, un glorieux baptême du Saint-Esprit, la foi, la vertu, la connaissance, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, lorsque nous, non pas d'une manière imaginaire, comme dans les 25 dernières années, oh, hallelujah, voyez-vous, une imagination. Oh, oubliez votre imagination, frère. Ce n'est pas de l'imagination, gloire à Dieu. Hallelujah. Non pas d'une manière imaginaire, mais en nous prosternant devant un Dieu vivant. Voyez-vous, lorsque vous entrez dans votre petite chambre de prière, vous savez que Dieu est là et vous êtes là, vous prosternez, gloire à Dieu. Alléluia. Oh Père, pardonne-moi aujourd'hui. J'ai fait une faute. Gloire à Dieu. Seigneur, oh, pardonne à mes ennemis, Seigneur. Ils ne voulaient pas le faire, Seigneur. Il était simplement énervé. Oh, et pardonne-moi, Seigneur, de l'avoir irrité. Voyez-vous. Non pas d'une manière imaginaire, gloire à Dieu, amen, mais en nous prosternant nous-mêmes devant un Dieu vivant, parce que la charité est dans l'Église, ici, alléluia, avec vous, à la maison, un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, qui entre par le Dieu vivant, faisant un homme vivant, une image vivante à la stature de Dieu, alléluia, voilà ce que vous devenez, alléluia, vous devenez une image vivante de Dieu, la stature de l'homme parfait. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous comment ces vertus, ces bâtiments de construction, voyez-vous, ces constructions, ces matériaux. Oh. Oh là là. Mon esprit voulait dire quelque chose et mon corps était trop fatigué pour le dire. Oh oui. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui pensait que j'allais parler en langue. Mais ça, c'est en partie, mon frère. Ceci. Alléluia.
Gloire à Dieu, ceci est parfait. C'est la même chose que Jésus. Voyez-vous, vous allez marcher de la même façon qu'il a marché. Qu'est-ce que vous devenez, voyez-vous, faisant la même chose qu'il a faite, voyez-vous, parce que ce n'est pas une chose imaginaire. C'est une réalité qui le prouve. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà comment ces vertus, ces matériaux de construction sont typifiés avec les messagers de l'Église, avec les anges de l'Église. Un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots, voyez-vous, et nous allons les étudier et montrer que cela prouve ceci, voyez-vous. Je me demande si c'est pas ce que je fais ce matin, voyez-vous. Est-ce que c'est en train d'être prouvé? Hein? Gloire à Dieu! Les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église, deux fois. Voyez-vous, je ne sais pas, peut-être qu'il vous donne la réponse ce matin. Oh, hallelujah. Continuez simplement à avancer, Dieu. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Gloire à Dieu. Et un jour, il va répondre par le feu. Ne soyez pas tous secoués, ne soyez pas tous défaits. Gloire à Dieu. Et ficelés, mis en fuite. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais accrochez-vous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir un de ces jours et prendre chacun de ces mots, je vais les étudier pour vous montrer si ça prouve ceci, voyez-vous. Tout cela ensemble, oh, bien sûr, combien cela est merveilleux, voyez-vous. Oh, les sept tonnerres. Alléluia, gloire à Dieu. Les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église, et un de ces jours. Alléluia. Maintenant, après avoir reçu l'onction, qu'est-ce que nous devenons? Et je vais répondre afin que vous n'oubliez pas, voyez-vous. La maison dans laquelle Dieu demeure, voyez-vous. Voilà ce que vous devenez. Vous devenez un corps dans lequel Dieu demeure. Voilà ce que vous devenez lorsque vous recevez la charité. Gloire à Dieu. Sur vos vertus, la personne vient sur vous avec le véritable baptême du Saint-Esprit. Oh là là. Oui, monsieur, une maison dans laquelle Dieu demeure, pas un bâtiment avec une cloche, voyez-vous, une flèche, mais un corps. Il m'a préparé un corps dans lequel Dieu peut demeurer, dans lequel Dieu peut marcher, dans lequel Dieu peut voir, il peut marcher, voyez-vous, il peut travailler. L'instrumentalité vivante de Dieu, Dieu marchant sur deux pieds en vous, gloire à Dieu, les pas du juste sont ordonnés par Dieu, Dieu qui marche en vous, car vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes, et si la vie qui est en Christ est en vous, alors vous allez porter la vie que Christ avait. Amen. Oh Seigneur, ouais, mais cette vertu, gloire à Dieu. Oh, après avoir reçu l'onction, qu'est-ce que vous devenez? Un messiette, une messiette, alléluia, la parole ointe. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Des messiettes, la parole ointe. Voilà pourquoi vous vivez. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Oh, qui dites-vous que c'est? Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Page 17 et 18. Il y a une seule chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance, et c'est la parole. Je n'ai confiance en rien, seulement la parole. Gloire à Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole ointe. Produit des messies, le messie, la parole ointe de l'heure. C'est là, pause. Vous voulez dire que c'est cette vertu qui descend à travers les sept âges de l'Église avec sept messagers, sept yeux, lampes, et ainsi de suite? C'est la parole? Et c'est ce qui est revenu au travers du prophète? Et les mystères de Dieu descendent? Gloire à Dieu, ils sont entrés en vous? Alors la charité descendra un jour et va oindre la parole qui est en vous du prophète. Alors vous allez devenir quoi? La parole ointe de l'heure. Une messiette. Un messie pour cet âge. Gloire à Dieu. Oh frère, alléluia, gloire à Dieu. Voilà ce que vous devenez après que la charité oint vos sept vertus. Vous avez saisi. Et la parole est ointe. Voyez-vous pourquoi je dis la charité, les sept vertus ointes par la charité. Parce que cela doit être oint. Mon Dieu. Oint, bien sûr, du prophète. Voyez-vous, la parole ointe. Nous la recevons, elle est ointe. Et elle est vivifiée, elle nous garde vivants. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu lui-même venant sur vous, la colonne de feu, l'onction. Voilà ce dont je parle. Oh Seigneur, remplis-moi. Alléluia.
Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Oui. Oui, Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Levez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici dans le tabernacle. La parole ointe est ce qui fait le Messie, la parole ointe de l'heure. Oh, comme c'est merveilleux. Il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Voyez-vous, la parole en nous sera la parole ointe. Alors ce sera l'unité de Dieu, la parole ointe en vous. Voyez-vous, et alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. J'ai terminé. Les sept vertus ointes par la charité pour une manifestation des sept tonnerres. Oh, gloire à Dieu. Le prophète de Dieu a dit à la page 25. Oh, hallelujah. Nous y voilà. Nous y voilà. Oui, Seigneur. Envoie le feu, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Donnez-moi une église qui est si complètement ointe de la charité de Dieu où chaque action et mouvement sera ainsi dit le Seigneur, marchant dans la gloire de la Shekinah. Et je vous montrerai un Messie, un oint de Dieu se tenant sur la terre. Hallelujah. Il est ici. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voulez-vous être une messiette? Oh, hallelujah. Oh Seigneur Dieu, oh Dieu, déverse la vertu, déverse la connaissance. Alléluia. Oh, remerciez-le, louez-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Ne vous inquiétez pas au sujet des piétinements. Alléluia, tout va bien. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la tempérance, Père. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, fermez les yeux. Remerciez-le. Louez-le de vous avoir gardé vivant au balcon, au sous-sol. Alléluia. Ce soir, et ceux qui verront cette vidéo, la gloire de Dieu est dans le bâtiment. Alléluia. Oh, hallelujah! La parole ointe est ici. Merci Jésus. Qu'est-ce que la parole? Les sept vertus des sept âges de l'Église. Sept messagers des sept âges de l'Église. Ils sont les messages. Hallelujah! Oh, Église, ne le manquez pas. Ne le manquez pas. Ne le manquez pas, New York City. Alléluia. Ajoutez à votre foi la vertu et la connaissance, la tempérance et la patience et la piété et l'affection fraternelle. Alors la charité va oindre vos sept vertus, faisant de vous un messie oint de l'âge. Qu'est-ce que ceci va amener? Oh, alléluia. Cette vertu ointe par la charité va amener une manifestation des sept tonnerres. Voilà la réponse à vos trois questions. Ainsi, maintenant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne qui est déjà confirmée par Élie. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Louange à notre Seigneur. Je ne sais que dire, que faire. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. Seigneur, alléluia. Scelle-les aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-moi un ministère de chant. Alléluia. C'est le temps d'adorer. La parole est sortie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, louange à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Priez pour moi. J'espère vous voir. Alléluia. Oui. Gloire. Oh, alléluia. Oh, j'ai envie de crier, frère. Mon Dieu, 17 années. Une autre manifestation de la charité sur la troisième phase est ici. Alléluia. Gloire. Oh, gloire à Dieu. Oh, vous êtes libre. Tout le monde ici ce matin, vous êtes libre. Jésus-Christ vous a libéré. Ce soir, vous êtes libre. Vous qui écoutez la vidéo, vous êtes libre. Libre, libre.
Si vous êtes venu ici aujourd'hui et si vous voulez servir Dieu, vous êtes libre aujourd'hui. Dieu vous pardonne. Je vous pardonne. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Set the captives free. Oh, Jesus is here right now. Oh, grab a hold of him now. Jesus is here right now. Oh, Jesus is here right now. He is here to meet your need, to set the captive free. Jesus is, oh, you can be free this morning. Hallelujah. Sing it again. Oh, Jesus is here right now. Oh, Jesus is here right now. He is here to meet your need. He's going to set the captive free. Oh, Jesus is here. Oh, just step out by faith and claim it now. Oh, Jesus is here right now. Oh, Jesus is here right now. He is here to meet your need, to set the captive free. Oh, Jesus is here right now. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Oh, when the Savior reached down morning. Well, when he reached
Hallelujah. You don't have to leave here bound. Oh, when it reached. Hallelujah. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 You appreciate the message this morning. You know who you are. You know what you have to do. Brother, the devil is shaking. Why? This is the year of Jubilee this morning. Hallelujah. Hallelujah. This is the year of Jubilee. When the lame shall walk and the blind shall see, where the Lord shall set the captive free. This is the year of Jubilee. This is the year of Jubilee. Oh, when the lame shall walk and the blind shall see, where the Lord shall set the captive free. This is, I want you to turn around and proclaim that to someone. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, when the lame shall walk and the blind shall see, where the Lord shall set the captive free. This is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, when the lame shall walk and the blind shall see, when the Lord shall set the captive free. This is the year of Jubilee. Yeah, yeah, yeah. This is the year of Jubilee. Of Jubilee. Oh, when the lame shall walk and the blind shall see, where the Lord shall set the captive free. This is the year of Jubilee. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, one more song. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Let's sing it with every hand lifted up. Every hand, every heart worshiping. Oh, I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Oh,
washed away. His name. Oh, sing it again. Well, I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Hear the angels singing with us. For his blood has washed us, oh, free by the blood of the Lamb. One more time. Well, singing now. Every head bowed, every eye closed. Our Father God, we thank you, Lord. We will never forget today, Lord. June the 9th, 1991. And to brotherly kindness, charity. Never before, Lord, has your Holy Spirit painted a more clear picture, Lord God. Lord, I believe hearts and minds were open. They see, Lord, how the fullness of the word was brought through Malachi 4, Lord God. And they see, Lord, how these virtues have to be added and added and added. And then at one day, Lord, Lord, to be anointed fully by charity, to be a full manifestation of the seven thunder manifestation word of God. Lord God, you have brought us through this week and through these last 7 and 8 messages, Father God. And Lord, shown your bride what has to be done, Lord. Coming back, Lord God, around another time, we can hear the voice of God thundering so that one would not miss it, Father God. Lord, your bride has caught it. And Lord, she is rejoicing this day, Father God. Oh, God. So, Lord, there is no adversity, there is no trial, no nothing that could make her look down, for she knows her requirements and knows she's been called and knows she has the promised word of God and knows it shall be anointed, Father God. Father, bless your servant, Brother Coleman, Lord God. What a labor of love, Father God. Hallelujah! Touch his body, Lord. Oh, God, he stood up here sick, tired, but, Lord, obedient, Lord, as an example before the living bride of Jesus Christ. Bless him, Father. Strengthen him, Lord God. Lord God, be with his entire family. And now be with your people. Give them traveling mercies, Father God. And, Lord, may they stay in the Spirit, stay in the Word. Have family prayer, family get-together and prayer and reading the word, listening to the tapes, Lord God. And as we get ready to march on down to Macon, Georgia, Lord God, you have already poured out. You have already, Lord God, Lord, manifest yourself in our presence, Father God. Oh, Lord Jesus, bless your people. Give them traveling mercies. And Lord God, be with each one. May it burn within
And Lord, if there be any here, Lord God, that came here today, that wasn't quite sure, that had been rocked by this rotten, stinking world, fooled by it, Lord, after the service, may they come down to the elders for prayer, to be anointed with oil. Lord God, for you have them in the palm of your hand. Bless them, Father, in Jesus' name we pray and ask it. Amen and amen. You may be seated. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, I am found, I was so blind.